Est-ce qu'on peut voler ou même transporter une tourelle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà cette tourelle, vous allez pouvoir la trouver n'importe où sur la map. Par contre, si vous ne voulez pas la chercher, vous pouvez très bien l'acheter au personnage Antonia. Elle vous la vendra avec plaisir pour 200 lingots d'or. Et vous pouvez carrément en obtenir deux dans votre inventaire. Cependant, si vous les lancez une à côté de l'autre, la première tourelle lancée se détruira automatiquement. Mais l'avantage de cette tourelle, c'est que si vous la déposez, elle restera en illimité, tant qu'elle ne se fait pas détruire. Alors faites quand même attention parce que si vous vous déplacez à plus de 60 mètres, la tourelle s'auto-détruira. Maintenant parlons des dégâts. La tourelle va faire 7 de dégâts à chaque tir. Franchement, c'est très efficace, elle détruit les constructions assez facilement et elle peut faire de sales dégâts aux adversaires. Par contre, elle ne finira pas les adversaires qui sont KO. Et pour la distance max, elle peut détecter un ennemi à maximum 30 mètres. Mais dès qu'il est détecté, elle lui tirera dessus jusqu'à un maximum 45 mètres. Petite particularité pour ceux qui veulent l'utiliser en hors zone, elle ne subira aucun dégât. Et ses points de vie ont un total de 250. Mais si elle est endommagée, vous allez pouvoir la réparer tout simplement en la récupérant. Et quand vous allez la relancer, elle aura toujours ses 250 de PV. Et dernière petite astuce, si vous utilisez le bélier contre la tourelle, vous allez l'exploser. Alors maintenant la question ultime, est-ce qu'on peut la transporter en véhicule? Alors j'ai essayé, de base on ne peut pas la lancer sur un véhicule, mais je me suis dit que si je construisais un plafond au-dessus et que je détruisais le plafond au-dessus pour que la tourelle tombe dessus, et bien là ça fonctionnera peut-être. Et bien en fait ça ne fonctionne pas, la tourelle rebondit sur le véhicule et pas moyen de la faire tenir. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et dernière expérience que j'ai voulu tester, est-ce que je peux voler la tourelle à un adversaire? Et bien franchement, je vous conseille de ne pas essayer parce que ça ne fonctionne pas et franchement, vous allez prendre très très cher. Code créateur SCA.